Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ça sent le tchénou à quelques heures à peine. Perdu dans un trou entre l'Alsace et l'Aquitaine. Des garçons bien sous trois bords, au passé polyvaillant, toujours à chanter comme des pauvres d'Amsterdam jusqu'à l'Orient. Un paquet d'années en arrière, il nous est déjà arrivé d'oublier une date de concert. C'est notre petit bébé, c'est pour ça qu'on nous paye, pour s'assurer de bien jouer. Parfois on se pointe la veille. Qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne nous ressemble. Comme à chaque fois, ce qui compte c'est d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne nous ressemble. Comme à chaque fois, ce qui compte c'est d'être ensemble. Allez. La poche au lait nouveau, les soirées fraîches au gratis, concours du plus beau bicorneau. Anniversaire de mariage, journée du patrimoine, ambiance MB sur la plage, soirée moustache au poste douane. Qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne nous ressemble. Comme à chaque fois, ce qui compte c'est d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne nous ressemble. Comme à chaque fois, ce qui compte c'est d'être ensemble. Allez! C'est parti pour un tour. Livraison express de bonne humeur et d'amour. Pourvu qu'il y ait l'ivresse. Qu'importe la chanson, que le vent nous emporte jusqu'au seuil de votre maison pour chanter devant la porte. Qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne nous ressemble. Comme à chaque fois, ce qui compte c'est d'être ensemble. Qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne nous ressemble. Comme à chaque fois, ce qui compte c'est d'être ensemble. Petits anges, on se nomme les petits-fils de Janine, on est très très heureux d'être devant vos yeux et vos oreilles, très heureux que vous ayez bravé le froid et attendu cette heure-ci pour nous écouter, nous, d'être restés attentifs au chant des Magnolias qui nous ont complètement défoncés. Et merci d'être restés pour un truc différent. Merci d'exister, bien sûr. Donc nous, les petits-fils de Janine, on a un petit bout de temps à passer devant vos yeux et vos oreilles, et on a mis l'histoire à vous raconter, et on aimerait pour ça vous emmener un petit peu en voyage avec nous. On va essayer d'aller des fois là où il fait chaud, parce que là aujourd'hui il fait froid, enfin ce soir. Et la première destination de notre voyage, on voudrait vous emmener pas très loin d'ici, on voudrait vous emmener sur une petite île en Europe de l'Ouest, une petite île méconnue qui s'appelle l'île de Noirmoutier. On voudrait vous emmener là-bas parce que c'est là où on l'a rencontré. Lulu. On l'a trouvé sur cette petite île, amarré entre un bateau et une patate. Il était assis avec son accordéon à chanter des chants révolutionnaires. On l'a regardé, on lui a dit: mais viens rejoindre la troupe des petits-fils de Janine.
et il nous a rejoints. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers petits anges, il va vous raconter son histoire. Bienvenue sur le bateau des petits-fils et belle soirée! Mais je reconnais la flûtine de mon pays qui résonne ici, dans les steppes de Terrasson, la ville Dieu. Tu as raison, amigo, c'est de la merde. Eh, mais c'est pas de la merde, c'est le folklore. Respire une fois pour voir. Dans le ghetto de Noirmoutier, j'ai pris mon accordéon. Et dans la famine, la misère, l'alcoolisme et sous la torture, j'ai rejoint malgré moi les petits-fils de Jeannine. Car j'ai le cœur au vent, et puis l'âme en peine, personne ne veut de moi. Et puis ça, ça va de soi. J'esquive les différences, et oui, je suis un vagabond. Je profite de la vie, et j'ai mis mes plus belles chaussettes pour vous ce soir aussi. Oh, c'est un flop ce soir. Hier, tu vois, on était à côté de Saint-Aquilin, en Dordogne quand même. Là-bas, il y avait des vrais Dordogneux. Et là-bas, quand j'ai dit ça, ils ont fait... Wah! T'essayes de les chauffer, là. On va le refaire, ça fait. J'ai mis mes plus belles chaussettes pour vous ce soir aussi. Ça marche bien, Terrasson, en fait, aussi. Et oui, car moi, devant vous ce soir, eh bien, j'ai le cœur au vent, et puis la montagne, personne ne veut de moi, et puis ça, ça va de soi. J'esquive les différences, et oui, je suis un vagabond. Je profite de la vie, et puis, elle n'a pas de prix. Intéressant, c'est parti. Je suis un jeune vieux, alors devinez mon âge, car je suis endurci par les rides de la vie. Ouais, je dors ici et là. Je suis un vagabond, je profite de la vie, et puis elle n'a pas de prix. Allez, poète, à toi! La liberté s'achète, au père du profit, la carrière se vend bien. C'est du chagrin, on continuera seul notre route. Et oui, on est les vagabonds. On profite de la vie, et puis elle n'a pas de prix. Allez, on va la tour, et Terrasson aussi. La liberté s'achète. On n'est pas bien en plein hiver ici aussi. On vous voit pas, rentrez chez vous. Tu les fais tourner les thank you.
foot. Eh oui, on est les P. FJ, la française qui joue. On profite de la vie. Et on embrasse Mémé Jeannine, là-haut, au sud. Et voilà, le concert est terminé, messieurs, dames. Merci d'être venus, c'était super. Bonne soirée à vous. Waouh. En tout cas, moi, je suis vachement étonné. C'est la première fois que je vais à un terrasson et qu'il pleut pas. Alors, attendez, je vais couper court tout de suite. Tout à l'heure, il a lancé déjà un premier pic. Que je vous présente cet énergumène. Il est périgourdin, d'une. Mais il va vous chauffer toute la soirée. À dire que votre région, elle est pourrie. À dire que vous êtes vieux. À dire tout ce qui vous plaira pas. Son but ultime, c'est de se faire houter. Donc le jeu entre lui et vous, c'est lui, il vous chauffe, et vous, vous le houtez. Si vous n'avez jamais osé houter un groupe de musique, lâchez-vous avec nous, et surtout avec lui. Donc s'il vous saoule, vous le houtez, il n'attend que ça. Alors faites-le quand il vous agresse, quoi, verbalement. Gratuit, ça sert à rien. Tout ça pour dire que la prochaine chanson s'appelle Matin d'avril, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans le Périgord, il fait tout le temps froid et humide, un peu comme les gens, quoi. Voilà, vous avez compris un petit peu, ça va durer à peu près une heure et demie comme ça. À vous d'avoir le répondant qu'il faut. J'ai grandi avec un monsieur dans la tête. Oh oui, t'as bien grandi. Ouais, j'écoutais ça pas mal. Mes parents écoutaient ça pas mal aussi quand j'étais plus jeune. Un vieux monsieur qui s'appelait Georges Brassens. Et tiens, on va le faire différemment. Tout à l'heure, j'ai entendu les filles parler de Georges Brassens aussi. Tiens, bah les filles. Je vais faire comme vous. J'ai un instant devinette. J'ai une petite devinette. C'est vraiment chez votre goût. Ouais, on a rien à noter tout à l'heure. Ok, merci les gars. Donc je répète, je disais, j'ai une petite devinette que j'aimerais vous faire. C'est vraiment chez votre devinette pour les filles. Quoi? Merci les gars. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Les plus courtes sont les meilleures. C'est moi le meilleur, bah, du moi, coup. Merci les gars. Bon, du coup, j'ai une question à vous poser. Okay. Ça marche? En écoutant Georges Brassens particulièrement, je me suis rendu compte qu'il y a un fruit qu'il adorait. Il y a un fruit qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de ses chansons. Est-ce que vous seriez capable, cher public de Terrasson, de me dire quel était le fruit préféré de Monsieur Georges Brassens? Sachant que Magnolia avait aussi la réponse tout à l'heure. Il ne manque toujours rien. Alors non, c'est pas la banane. On vous a dit, lui, il faut le houter. Il sert qu'à ça. Alors, c'est quoi le fruit préféré de Brassens? La tête de veau. La pomme. C'est la pomme. Il a gagné. Il a raison. Vous avez gagné une pomme, monsieur. Et oui, contre toute attente. Attends, parce que c'est pas terminé. J'ai une deuxième devinette. Tu parce que pour un. C'est un point de devinette qui sont partis. Merci, les gros. Vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment spécial. Donc, deuxième question. Tiens. Pourquoi la pomme? Pourquoi il aimait tant les pommes, Georges Brassens? Il y avait bien une raison. Il n'y en avait pas. Alors, c'est pas le calva. C'est pas le fruit défendu non plus. C'est pas très participatif, oui. Je dirais. C'était gratuit. Ils sont en attente. C'était gratuit. Ok, ce sont mes alcoolites, donc ici présents, qui vont vous donner la réponse et vous allez pouvoir reprendre du coup avec mes alcoolites. Pourquoi Georges Brassens aimait-il tant les pommes? Eh ben. Il en plaçait partout. Terrasson va vous demander de reprendre avec nous, ça fait. On peut le refaire un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. On peut le faire en mode Hellfest, sa gueule. Ok, Terrasson, on le refait une deuxième fois en mode Hellfest. La gênance. On t'avait dit la pilule bleue. Verte. Bah voilà. Oh, putain. On n'est pas non plus Exideuil. Bon, on va faire. Wow. Je ne connais pas Exideuil, mais a priori, il y a de la vanne. Jack. C'est la dernière. Jack attaque. On y va. Qui fait de la merde. Ça fait longtemps que je la cherche. Ma chanson dure, Marie me revêche. Je vais être mordant, montrer mes dents pour accabler tous les méchants.
depuis des lustres qu'on me bassine. Faut que tu t'engages, faut que tu t'obstines. Dis ce que tu penses, tape sur la table. Sois méchant et pas charitable. Pourtant, ce que j'aime, c'est les matins d'avril, quand le soleil doucement se faufile, pour se poser dessus l'épaule ronde de la belle qui fait tourner mon monde. C'était moi, pas eux. Attendez deux secondes. On est en fin de tournée. S'il y a des représentants commerciaux de chez Stan, hein, ça nous intéresse. Ah, on a plus 20 ans. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est le public qui détend sur nous. Ah, c'est possible. Intéressant. Hein. Excellent. Je vous propose pour le bien-être de la suite de ce spectacle. Que on finisse cette chanson de manière beaucoup plus calme. Plus mode... Bon, c'est peut-être un peu relou, mais... Patrick Bruel. Ah, non, pas Patrick. Ah, non. Pas Patrick Bruel. Non, mais je m'en fous, c'est moi qui décide. Pourquoi t'as fait un stage de chanson à Stafford, toi aussi? Ah, non, c'est pas lui. C'est un autre. Non, par contre, on va... genre un peu Vincent Delerme. Un truc calme, quoi. Vincent Delerme. Attendez, ça fait un truc genre... dissonant, quoi. Pourtant, ce que j'aime, ah ouais, hein. C'est le matin d'avril. Comme le soleil, doucement, se faufile. Oui, ça faufile. Pose. Dessus, pour le rond. De la belle qui fait tourner moi. C'est tellement calme, tellement facile.
Merci beaucoup. Je viens de voir un couple valser. Vous savez quoi, on va faire une valse maintenant. Enfin, une pseudo-valse. Comme ça, si vous avez froid et que vous avez envie de valser, vu qu'il y a un peu d'espace, bah, vous allez pouvoir valser. Et on vous emmène pas très loin d'ici, en vrai. Là, on part pas loin en voyage. On vous emmène... En fait, quand on a commencé avec les petits-fils de Janine, il y a 15 ans, on a beaucoup squatté la rue. On a commencé par faire de la rue. On en fait encore. Mais on en fait moins maintenant. Mais on a fait beaucoup de rue. Et quand on faisait de la rue, on rencontrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On vous emmène au coin de la rue. Et c'est la chanson qui arrive. Chez nous, on ne l'appelle plus que le pucier, le flemmard, le raté, le qui pue. À peine un regard, un dédain, dégoût. Vrai, on n'y est pour rien. C'est sa vie, on s'en fout. Il gâche le paysage, planté la nuit et jour. Qu'il pleuve, vent ou neige, il nous souhaite le bonjour. Il ne demande rien. C'est comme une verrue qui a poussé un soir au coin de notre rue. Grise. Il le sait, il le sent, il pourrait crier. Mais c'est trop tard, il se tait. Sous son chapeau crasseux s'en mêlent les bruits du vent, d'un amour de jeunesse et du rire d'un enfant. Sous son chapeau crasseux, il y a toute une histoire. Un beau jour, il fut roi, remportant des victoires. Mais son pied a glissé et tout autour de lui a sombré, tout s'enfuit. Tout est devenu gris. Sous sa couverture grise, plus rien ne l'attend que le bruit de la bise. Sans seule compagnie, sans secret, le rêve, dans son trop frêle abri. Sous son toit de carton, il cache mille couleurs. Il ne les oublie pas, il en sait la valeur. Le vert de l'océan, bord de la lumière du soleil. Sous son chapeau crasseux, se cache des merveilles. Ne le pensez pas triste, il ne l'est pas du tout. Mais il se fout de toi, comme il se fout de nous. Mais là, sur la terre, dans un monde vert de gris, il commence à repeindre les couleurs de sa vie. Et il valse du monde sur nos vies de laveur. Une autre couleur pour nos petits malheurs. Il retire le moche, il fait à sa manière. Il garde pour lui seul une palette de lumière. Chapeau crasseux, une bouche qui sait sourire et des yeux malicieux. Sous sa couverture grise, un cœur en mouvement nous rebâtit un monde plus humain et plus vivant. Ça fait 10 ans, et là, comme c'est Cousin, la dernière... toi aussi, va prendre la bonne pilule. On avait dit tu n'es qu'amour ce soir. Je ne suis qu'amour, pourtant.
Non, on avait dit que ce soir, c'était la fête de la technologie. Figurez-vous que les petits-fils de Janine, ça fait 15 ans que nous errons, que nous errons, que nous errons tels des petits patapons. Sur les chemins de France, de Provence, de Navarre, parfois même à l'étranger, dans le Périgord et tout ça. Et depuis tout ce temps, on nous pose toujours les mêmes questions. Alors on s'est dit, mais comment ils font les grands d'Internet pour répondre aux questions fréquemment demandées? Et bien tout simplement, ils ont mis en place un système qui s'appelle une foire au cul. Alors, c'est est-ce temps qu'il y a des culs ce soir à Terre à 108e? Alors pardon, attends, je te coupe deux secondes. Je pense que c'est pas le cul de comme toi tu l'entends. Ah, je pensais que je m'étais trompé de ville. Faut pas me couper comme ça. Non, c'est vrai. Mais je te coupe avant parce que j'avais peur que tu partes trop loin. Non, c'est bien Terrasson, mais c'est pas le cul de lequel tu penses. Lui, c'est le cul de FAQ de questions. Mais par contre, j'aimais beaucoup ton entrain. Est-ce que tu peux refaire la même chose, s'il te plaît, mais sans te gourer cette fois? C'est bien Terrasson, par contre. T'as raison là-dessus. Hein. Bah, vas-y, je te coupe plus. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Tout le monde s'en fout. Oui, hein, c'est clair. Tout le monde s'en fout. Je suis d'accord avec toi. Bon, au cas où il y aurait peut-être quelques questions à Terrasson, bien, regardez ce que mon ami, vous a amené ce soir. Collègue. Devant vous, on fait monter le suspense. La sauce est immense, il est là devant vous, le voilà. Petit décalage. Vous pourrez dire j'y étais. Eh oui. Eh bien, vous vous demandez tous ce que c'est, surtout les enfants qui n'avaient jamais vu ce genre de petit téléphone. Et non, ce n'est pas un téléphone. C'est le standard téléphonique de Mémé Janine. Plus de 40 ans de recherche et développement pour en arriver à un résultat que tous les voyous du monde nous envient. Vous allez dire, ça sert à quoi? Bah, la chanson qui va arriver, c'est une foire au cul. C'est la chanson pendant laquelle vous allez pouvoir décrocher vos propres téléphones portatifs sans fil, nous appeler sur le standard de Mémé, poser vos questions, nous y répondrons en chanson. Et voilà, c'est parti. Et pour 3, ça, il 4. Faut peut-être un numéro, mon petit Flo. Ah oui, il faut le numéro vert. Bah voilà, c'est le vert. Voilà. C'est le vert, suivi de l'ustensile de cuisine, mon petit cousin. Le rabot à carottes. Le rabot à carottes. C'est pas un économe. L'expression populaire qui finit par être. Qui veut manger une? On se lève pour. Ça finit par être. T'as raison. Vous avez retenu le numéro du standard? C'est. Bah attends, moi, est-ce que je l'ai retenu? C'est le vert, le rabot à carottes, et puis que qui veut manger, on se lève tous pour. Oh, il est fort. Et oui, il est très fort, je suis entraîné au burger de la mort. Mesdames et mesdames, enfants et animaux, chers petits anges, c'est la foire au cul, ouverture du standard. En même temps, je suis pas sûr qu'il y ait de réseau dans cette région désastrée. Ça sonne pas vrai. Vous êtes beaucoup trop mignons avec lui. Alors pour que la chanson marche, c'est interactif. Il faut que vous nous appeliez, sinon ça marche pas. Vous avez des questions, ça veut dire nous avons certainement des réponses à vous apporter. Allô, j'écoute. Bonjour, c'est Francis Cabrel. Je voulais savoir quel est ce gros instrument en forme de triangle. Et ouais, c'est quoi? Sachez mes chers petits que souvent on hésite. Mais nous avons grandi, nous ne dirons plus même. Cette grosse basse à trois cordes russe l'abattoir. Imposant tout l'accord, tu nommes Balalaïka. Comment les musculaires après 43 dates avec les copains? Eh ouais. Eh oui.